سلام اساقي زرح في اللوان زرح حمايام اساقي وانت في كاروسفان قلب اللوز اثن سيار ذاك يخدم 4 ميزور افيك سيلا سي ان بوتيت ميزور 4 ميزور دو سمول موين اسال اون بينسي دو سيل اي اون بينسي دو كانيل اسال نور ان ساشي دو فاني اثن ذاك يتواليم فوالا هذا نوع دو اسمي deux mesures de sucre, deux mesures, mais je ne vais pas les mettre au mélange, je vais les mettre ici parce que je vais les mixer, donc deux, voilà un mixeur avec un verre de mazhar, moitié eau, moitié mazhar, donc alors moitié eau, moitié mazhar, c'est toujours la même mesure. Dans le mélange du sucre, voilà, après je rajoute semaine, je vais pas remplir semaine, hein. Vous pouvez mettre même une demi-mesure, seul machine des semaines, hein. C'est vrai, c'est bruyant, j'ai déjà mixé, donc voilà, je vais mixer devant vous, c'est vraiment voilà, une fois qu'il est mixé, le sucre, l'idem, enfin le beurre et le mazhar. Voilà, j'ai tout mixé. C'est ça, le sucre naît, il est fondu et il est absorbé avec l'idem, avec la semoule. La semoule, elle est saut. Il va tout absorber maintenant. Donc maintenant, on va mélanger. Donc voilà mes chers amis, donc je répète les ingrédients, 4 mesures de semoule moyenne, 2 mesures de sucre, mais il faut les mettre à part pour les mixer, une pincée de sel dans la semoule, de l'qurfa, une pincée et un sucre vanille, voilà, donc vous laissez la semoule à part et après vous mettez les 2 mesures de sucre dans un récipient, donc je les ai mis là, 2 mesures de sucre, une mesure pas trop pleine de l'idem et puis moitié mazhar et moitié eau, la même mesure, vous les mettez tout ici et vous mixez, voilà, jusqu'à obtention de cette pâte, regardez, donc maintenant celle-là je vais la laisser voilà, jusqu'au lendemain. Donc demain, je vais la laisser toute la nuit. Voilà, je la laisse là, ici de côté. Et entre-temps, je prépare de sherbet, le sirop. Donc je mets un bol comme ça. Toujours, c'est la même mesure. Un bol, un shop, tout. Donc une fois, vous mettez un bol de sucre et vous rajoutez 2 bols d'eau, voilà, et vous laissez là dans le feu jusqu'à à partir d'ébullition, vous comptez 10 minutes, voilà, vous rajoutez une tranche de citron, voilà, vous rajoutez une tranche de citron dans le sirop. Et ça, vous laissez la semoule la veille, et après, vous mettez dans le moule adapté à la quantité de la semoule. Donc, est-ce qu'inch'Allah, demain, on laissera toute la nuit, et un oral à l'idwan, et le sirop 10 minutes à tenir pas. Donc, le sirop, on le prépare, comme ça, c'est facile. Demain, on allume le four, et voilà, et tout est prêt. Donc, on... Donc, comme vous venez, voilà, pour le mettre au four.